Je m'appelle Pascal Viel et c'est mon deuxième séjour à l'Institut d'études avancées de Nantes. Et cette fois-ci, j'y suis en qualité de directrice scientifique avec Luis Mora et Mustapha Abdallah. Pour autant, j'ai quand même un projet de recherche que je mène depuis plus ou moins le début de la pandémie et qui est tributaire d'une démarche qui s'est développée à la faveur de mon premier séjour de recherche à l'Institut d'études avancées, où j'étais venue avec un sujet et où je suis sortie avec un intérêt prononcé pour le travail des écoféministes, qui a un petit peu changé à la fois mes thématiques de recherche et ma manière de faire de la recherche. Alors les thématiques, parce que jusque-là je travaillais sur l'état social, pour dire les choses simplement, la protection sociale, et que je me suis engagée dans une réflexion très fondamentale autour de que peut devenir un état social, la protection sociale, dans le cadre d'une transition qui suppose le bouleversement écologique, donc qui suppose le bouleversement complet de notre modèle de production. Et les écoféministes m'ont amené à articuler donc l'enjeu écologique et social. Elles m'ont aussi amené à penser autrement ma manière d'aborder les questions de recherche, parce qu'elles ont une critique de ce qu'elles appellent la science moderne, on va faire court, mais en tout cas d'un mode d'appréhension du réel, justement, qui passe par la quantification et l'abstraction exclusivement, et qui fait au mépris de l'approche sensible des choses, du réel. Et donc voilà, peu de temps après, un an après mon séjour à l'Institut, la pandémie a éclaté, et à la faveur de, enfin, à l'occasion de cette pandémie, je me suis mise à faire des masques, à fabriquer des masques. J'ai fabriqué ces masques parce qu'une de mes amies infirmières m'en a offert. C'est une personne qui s'était engagée. C'est des masques qu'elle avait fait elle-même. C'était en plein, hein, pendant la pénurie. Elle s'était engagée à l'hôpital à faire des heures supplémentaires et on ne lui permettait pas de porter des masques. Ce qui fait qu'elle était très angoissée à l'idée qu'elle transmettait la maladie d'un patient à l'autre. Elle s'est mise, en plus de ses heures à l'hôpital, à fabriquer des masques à la maison pour ses proches et pour les personnes qui travaillaient à l'hôpital avec elle. Et lorsque les vacances de Pâques sont arrivées, j'ai sorti la machine à coudre de mes grands-parents, de ma grand-mère, et je me suis mise moi-même à fabriquer des masques. Alors c'est pas, alors c'est vrai que j'ai parlé des écoféministes parce qu'il y a toute une chez les écoféministes, toute une approche de la transmission, de la tradition, des savoirs, des savoir-faire, des attitudes, et que coudre est vraiment quelque chose qui m'a été appris par mes deux grands-mères et ce qui m'a donné en fait suffisamment de confiance en moi pour me lancer dans cette activité, sans avoir le syndrome de l'imposteur. Et donc voilà, ça n'a pas été très simple. J'ai dû réaliser une vingtaine de modèles avant de parvenir à avoir quelque chose qui tienne la route. Et puis au bout d'un moment, j'arrivais à faire un masque toutes les 20 minutes. Et j'ai découvert le monde à cette époque de confinement strict en Belgique, le monde de la fabrication du masque. Et de couturières bénévoles, en fait, qui très solidairement m'ont proposé des rouleaux de coton, des chutes de parapluie pour faire la face avant du masque, échanger des patrons, des tuyaux pour y arriver, etc. Donc, écouler les masques après, comment faire, vers où les écouler. Et à l'issue des vacances de Pâques, j'ai transmis mon matériau, mon savoir-faire à d'autres, à des jeunes qui travaillaient dans le quartier, qui distribuaient des colis alimentaires. Et j'ai, forte de cette expérience, et avec une collègue, Oriane Lamine, nous avons réuni un focus group de producteurs de masques dans l'idée qu'il y avait quelque chose d'intéressant à tirer de cette expérience sur le plan scientifique. Et ce focus group a été vraiment une révélation. Il y avait des couturières professionnelles et non professionnelles, les deux personnes qui ont essayé de les organiser. D'une part, Smart, qui est une coopérative
de travailleurs autonomes, et d'autre part un syndicaliste qui avait travaillé avec des travailleurs du textile. Et on a réalisé d'abord le besoin énorme de ces personnes de raconter l'aventure de la production des masques dans des conditions adverses et difficiles, parce qu'en fait toutes les règles étaient hostiles à cette production. Et donc elles ont tout le temps dû contourner ou enfreindre des règles. Et donc ça nous ramène au droit. Et d'autre part, leur besoin aussi, l'écoute qu'elles avaient les unes par rapport aux autres, le fait que leur récit se complétait, elles s'en rendaient compte, et permettait de construire un nouveau récit de la saga des masques pendant la pandémie, qui était un récit alternatif au récit officiel du pouvoir. Et donc avec ma collègue Oriane Lemine, on s'est dit, on est face à un double enjeu de recherche, qui est à la fois un enjeu de reconstruction du récit par les acteurs, et on peut mettre notre expérience, nos cadres d'analyse au service de cette reconstruction avec eux, qui est une approche inductive, pragmatique, qui est tout à fait différente de celle qu'ont les juristes en général, et d'autre part, un vrai enjeu de recherche autour de comment le mode de gouvernance dans lequel on se trouve et qui a été celui de la crise, comment ce mode de gouvernance a été ou pas utile pour permettre aux citoyens d'accéder à un bien essentiel pendant cette crise, et comment pourrait-on l'améliorer. Donc voilà comment est née cette recherche sur laquelle je travaille. Et on a choisi d'y travailler avec... on vient toutes les deux, on est des juristes de droit social, on vient toutes les deux de l'approche du droit en contexte, qui a été développée à l'origine par Otto Kahn-Freund, qui part vraiment de l'idée, en droit social en tout cas, mais c'est sûrement vrai pour les autres branches du droit, d'ailleurs Kahn-Freund lui-même l'a fait dans d'autres branches du droit, que le droit n'est pas un système qui flotte, et une simple combinaison mathématique de principes qui permettent de donner des solutions. C'est ce le droit positif, l'approche qu'on a positiviste qu'on apprend souvent dans les facultés, mais que le droit est ne peut se comprendre que par sa réception par les acteurs, la manière dont ils vont le mobiliser, le détourner, le contourner, se le réapproprier, et d'autre part comment ils vont eux faire prévaloir leurs priorités pour construire du droit. En droit social, c'est particulièrement vrai, puisque on travaille à partir de droits négociés, droit collectif du travail. Mais donc, on avait déjà une approche qui est peut-être pas l'approche typique de la plupart des juristes, avec une attention forte sur le droit comparé et sur la question du pluralisme des normes, du pluralisme juridique. Mais on a voulu aller au-delà de ça, et plus dans une approche, peut-être celle de Dewey, qui est vraiment une approche pragmatique, et de travailler avec les acteurs et à partir de leur expérience, pour essayer de comprendre ces deux enjeux, donc qui sont d'une part la construction, la reconstruction d'un récit, qui, je pense, est quelque chose de fondamental si on veut s'engager dans une logique de transition. On est obligé de s'attaquer à cet enjeu du récit. Et d'autre part, la question de la gouvernance dans une période de crise. Voilà, et de l'accès aux biens essentiels. Voilà sur quoi je travaille, voilà comment on travaille. Donc on travaille, ce qui est difficile pour des juristes, on est un petit peu, pas tout à fait toujours sûr de faire les choses selon les codes, par exemple, de l'entretien sociologique tel que le pratiquerait Armé. Mais on a fait déjà jusqu'à présent l'interview d'une bonne dizaine d'acteurs. C'est des interviews très approfondies de 3 heures, où on les laisse énormément parler, et c'est à partir de ce matériau, à partir d'une ligne du temps qu'on a reconstituée avec les déclarations gouvernementales et l'action gouvernementale, l'évolution de la pandémie et la saga des masques, et les déclarations scientifiques qu'on met en parallèle, et on essaye de voir comment tout ça s'est construit, et puis aussi à travers une reconstitution des outils juridiques de régulation réellement qui ont été mobilisés pendant la pandémie. Voilà comment nous travaillons. Et on travaille à partir des cas théoriques, d'une part d'Alain Supiot sur la gouvernance par les nombres,
et d'autre part de Joan Tronto, qui est une politologue américaine qui travaille sur le care, qui est une notion complexe, on va dire, de soins et d'attention à autrui, qui implique différents niveaux de compréhension, et qui est aussi une notion éminemment politique, au sens où elle considère que, et normative, où elle considère que le care devrait, dans cette période de transition, être vraiment le principe au centre de toute la gouvernance publique. C'est-à-dire à la fois une attention et une valorisation beaucoup plus importante de toutes les tâches de soins à autrui dans la société, qui sont souvent portées par les femmes, et le fait de mettre les valeurs du care au centre même du projet démocratique. Et donc, en fait, pour boucler, ce projet est quelque part né d'une démarche que j'avais engagée à l'Institut pendant mon séjour comme fellow en 2018-2019, et je le poursuis dans un contexte qui est évidemment particulièrement favorable à ce type de démarche, puisque l'Institut, depuis l'origine, travaille beaucoup sur le récit, sur ce qu'on appelle l'armature dogmatique des sociétés, mais aussi est un lieu de croisement des savoirs. Les savoirs du Sud sur cette question m'ont été très utiles, notamment l'expérience du docteur Mukwege dans le Sud Kivu. Bon, voilà, donc les échanges à cet égard sont très très pertinents ici. Et finalement, l'enjeu du récit me paraît au cœur aussi de la déconstruction et reconstruction du récit, est aussi au cœur de la démarche de l'Institut, donc je pense que c'est un lieu qui va encore m'apporter beaucoup sur ce projet de recherche.